malade. Voici la naissance du Sauveur. Réjouissez-vous captifs. Voici la naissance du Rédempteur. Réjouissez-vous serviteurs. Voici la naissance de notre Seigneur. Sans bruit, le silence. Et là,
nous entendrons Dieu. Il nous faut comprendre qu'il nous faut chercher Dieu. Chercher Dieu. Sans quoi, on ne le trouvera pas. Il nous faut le chercher à travers tous les événements de notre vie. Y voir toujours la main et le doigt de la providence, qui jamais, elle, ne se fait surprendre. Alors, ainsi, nous pourrons, en effet, garder cette paix que les anges annoncent aujourd'hui, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ceux qui veulent être véritablement chrétiens, ceux qui recherchent Dieu véritablement, garderont toujours la paix. Malgré tous les événements terribles, dans l'Église, dans le monde, nous garderons toujours la paix, car nous savons que tout réside dans les mains du Créateur, dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, et que rien ne lui échappe, pas même les attaques de ses ennemis. Imitons les bergers, imitons bien sûr surtout notre Seigneur Jésus-Christ dans cette grande vertu d'humilité sans laquelle nous ne pouvons nous appeler véritablement chrétiens, disciples du Christ. Alors demandons en cette nuit de Noël à la Vierge Marie qui elle aussi, par son humilité, a attiré le regard du Très-Haut sur elle, qui a attiré en elle notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, bien qu'elle nous aide nous aussi à nous préparer dans quelques instants à cette grande et belle communion de Noël, avec cette profonde humilité de tout attendre de Dieu et absolument rien de nous. Encore une fois, comme nous l'avons dit ce matin, Seigneur, venez dans mon âme, car vous pouvez me sauver. Oh,
la bénédiction de l'agneau qui représente l'enfant Jésus, l'agneau sans tache ou pur qui vient de naître. Et traditionnellement, cet agneau ensuite était mangé au moment de la fête de Pâques, puisque c'était le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, hein, qui était mort sur la croix pour nos péchés, lui l'innocent, le tout pur, et qui était ainsi mangé à Pâques pour symboliser justement ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, bénir cet agneau. Adieu, ton Dieu, ma soeur,